Au Kenya, la justice a suspendu l'interdiction de manifester décidée par la police mercredi. Des semaines de manifestations contre un projet controversé de loi de finances avaient fait plusieurs morts et blessés dans ce pays de la Corne de l'Afrique, poussant la police à proscrire les manifestations populaires dans la capitale Nairobi et ses environs. Les forces de l'ordre invoquent l'absence de leaders rendant difficile le maintien de la sécurité et une infiltration des manifestations par des criminels. La haute cour a suspendu temporairement l'ordonnance dans l'attente de l'examen d'une plainte déposée par une organisation de défense des droits civils. Le retrait du projet de loi de finances n'avait pas suffi à arrêter la protestation, lors desquelles les manifestants ont réclamé la démission du président William Ruto. D'autres rassemblements étaient prévus jeudi dans la ville, mais elles n'ont pas eu lieu. Une forte présence policière a été constatée dans la capitale en prévision des manifestations.